Je m'appelle Judith Lahaye et je suis interne en médecine générale. Je vais découvrir l'équipe de l'AMSP de Penne-d'Agenais Saint-Sylvestre. C'est un territoire à forte densité de personnes âgées, très impliquées dans la prévention et l'éducation à la santé. Leur dernière création, Vie ma vie des personnes âgées, semble prometteuse. J'ai hâte de découvrir. Vous venez avec moi ? Charlotte, l'assistante de coordination, me présente aux acteurs présents sur site. Michael, l'infirmier Azalé, est en séance dépistage de troubles cognitifs. Caroline, la diététicienne, m'explique ses interventions de prévention. Ateliers et formations tout au long de la vie. Pour bien grandir et bien vieillir. Dans une petite commune inscrite au PNNS. Céline, l'ergothérapeute, a débuté sa séance. Vie ma vie, c'est expérimenter le vécu des personnes âgées. Le simulateur de vieillissement alourdit la démarche, provoque un déséquilibre et reproduit les raideurs articulaires. Puis le groupe partage son ressenti. Céline rebondit sur l'amélioration des pratiques. La simulation permet également de reproduire les effets de la cataracte, de l'arythmopathie diabétique et de la DMLA, des troubles de l'audition. Donc depuis un an, nous proposons cette action aux différents professionnels de la maison de santé, aux partenaires du territoire, aux usagers et aussi aux aidants familiaux. Alors Judith, tu restes ? Alors avec tout ce que j'ai vu, avec les actions pluriprofessionnelles, les innovations, la construction avec les acteurs du territoire et votre dynamisme contagieux, alors oui, je reste. Ouais.